Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans un nouvel épisode sur FF14. Aujourd'hui, je vous propose de vivre avec moi les histoires. L'histoire du DRG du niveau 50 jusqu'au niveau 60. Pour pouvoir apprendre cette quête, les amis, vous faudra faire d'abord la quête épopée qui s'appelle le Flambeau de l'Espoir. C'est la quête juste après la fameuse quête du banquier de Riam Reborn. Une fois que vous aurez fait cette quête, et si jamais vous avez fait aussi les quêtes précédentes du DRG, à savoir la dernière quête 50, c'est la Fureur d'un Dragon, vous allez pouvoir accéder à cette quête qui va nous amener dans des horizons très étranges. C'est parti! Je suis actuellement à l'Observatoire, dans le Quertas de Riam Reborn, hein, et je vais parler au maître des DRG, à savoir Alberic. Bonjour Alberic. Enseigner, c'est apprendre deux fois. Alberic semble rassuré de vous voir. Serait-il dans l'embarras? Bonjour. Comment allez-vous, Emily? Sentez-vous l'influence de l'œil du dragon sur votre esprit? Ah, je comprends que cette question puisse vous sembler déplacée. Et je voudrais pas que vous connaissiez le même sort qu'Estinien. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir, d'autant plus que j'aurais un petit service à vous demander. Il se trouve qu'une horde de dragons sévit près de la Sainte Cité depuis quelque temps. Les dégâts qu'ils causent sont chaque fois plus importants, et le Saint-Siège a décidé de mettre un terme à leur déprédation en envoyant un bataillon d'élite pour les éliminer. Un détachement est parti au nord-ouest du poste de la Reine Blanche il y a un peu moins d'une heure et on m'a demandé d'aller leur prêter main forte. Comme vous le savez, je ne suis plus que l'ombre du combattant que j'étais autrefois. Aussi, j'aimerais que vous m'accompagniez. J'imagine qu'il ne devrait plus tarder à engager le combat. Des chevaliers sont parmi les meilleurs, mais j'ai peur qu'ils ne soient pas assez nombreux. Nous devons donc les rejoindre le plus vite possible. Partez devant, je vous suis. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une wyverne. Chevalier, levez-vous. Merci infiniment, aventurière. Sans vous, j'étais perdu. On dirait bien que j'avais sous-estimé votre pouvoir. Vous n'aviez pas du tout besoin de nos lances. Merci d'avoir vengé la mort de mes camarades. Émilie, grâce à toi, ils pourront reposer en paix. Je m'occupe de transporter leur corps à la sainteté. J'aurais préféré que nos retrouvailles se passent dans d'autres circonstances, mais Alon en a décidé autrement. En tout cas, je suis heureuse de te revoir. Eh bien, tu en fais une tête? M'aurais-tu oublié? Je suis Ostinienne! C'est moi qui t'ai remis tes manopoles, Drachen. J'ai le plaisir de voir la fin de ton duel contre cette monstruosité squameuse. Si tes techniques sont celles du dragon céleste, ton style de combat m'a paru quelque peu différent de celui des chevaliers dragons d'Ishgard. Émilie a livré une nombre incalculable de batailles à travers tout Eorzea. Cette expérience de combat, c'est ce qui fait cruellement défaut à nos hommes. Ils se consacrent entièrement à la lutte contre les Dravaniens. Ils ne savent faire que ça, et c'est ce qui entrave leur progression. Voilà qui est intéressant. Tu as sans doute entendu parler de cette horde de dragons qui sème la terreur dans le territoire Ishgardé récemment. Il s'avère que c'est moi à qui on a confié la mission de les éliminer. Comme tu as pu le constater toi-même, mes hommes et moi peinions à nous en débarrasser. Chaque intervention se solde par des morts et des blessés. En l'absence de Sœur Estinien, c'est moi qui dirige l'ordre des chevaliers dragons. Sans lui, nous avons perdu l'équivalent de la moitié de notre force de frappe. Et il est de mon devoir de m'améliorer pour pallier ce manque. Si je le veux bien, j'aimerais que tu m'aides à parfaire mon entraînement à la lance. Je crois que tu as beaucoup à gagner à aider Ostienne. L'adage dit qu'enseigner, c'est apprendre deux fois. Transmettre ton savoir te permettra peut-être de découvrir de nouvelles perspectives et de mettre au point des techniques de combat inédites. Je ne te demande pas de me donner une réponse tout de suite, mais juste d'y réfléchir, d'accord? Bon, retournons à l'observatoire, c'est trop dangereux ici. Thank you.
Alors, Émilie, avez-vous réfléchi à la proposition d'Astian ? Acceptez-vous de l'entraîner ? Oui, pas de souci. Merci, Émilie. Je te promets de donner le meilleur de moi-même. J'aurais voulu commencer dès aujourd'hui, mais je dois d'abord faire mon rapport à mes supérieurs et préparer les obsèques de mes camarades. Ce sera donc pour une prochaine fois. Sur ce, je vous laisse. Je vous préviens, Astian n'est pas arrivée là où elle est par hasard. C'est une redoutable combattante qui a suivi un entraînement très dur sous la direction des meilleurs instructeurs depuis l'enfance. Il va falloir que vous vous montriez à la hauteur. Réfléchissez à ce que vous allez lui apprendre et surtout continuez à vous perfectionner au maniement de la lance. Je suis sûre que vous parviendrez à dépasser vos limites en vous exerçant avec elle. Professeur Émilie au rapport. La première leçon. Alberic affiche une mine satisfaite et... La Lichanie combattante qui fait que le DRG est le meilleur mêlé. Oh, vous voilà, j'en conclus que vous êtes prête à superviser l'entraînement d'Astienne. Fort bien, fort bien. Comme je vous l'ai dit, vous apprendrez beaucoup en lui enseignant vos techniques. Pour m'être retrouvée dans la même cas de figure autrefois, je peux vous garantir que cela élargira vos horizons. Vous devrez toutefois vous attendre à un peu de résistance de sa part. Astienne, c'est une femme au caractère bien trempé, qui a des idées précises sur les méthodes de combat des chevaliers dragons. Ne vous attendez pas à la changer en une journée. Vous trouverez notre amie à la pique. Les dragons ne manquent pas dans cette partie des hautes terres du Quartas occidental, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est partie s'y entraîner. Astienne a tendance à placer la barre trop haut, voyez-vous ? Votre rôle consiste donc à l'encadrer et à lui faire comprendre qu'il ne sert à rien de courir si on ne part pas à point. La seule façon d'atteindre les sommets, c'est d'élever son niveau progressivement comme vous l'avez toujours fait. Ou de prendre un ferry ? Ah. Tu m'en as laissé quelques-uns, j'espère, Estienne. Oh, il y en a trop. Attention, en voilà un autre. Ils sont trois, franchement, apprends à compter. Est-ce que vous pourriez vous paquer, s'il vous plaît ? Bon, mais pas d'un AOE, alors, hein. Hors de question que je fasse des AOE pour... un mob. Y en a d'autres ? Non ? Ok. Ça a bien failli tourner au vinaigre. J'ai essayé de reproduire tes mouvements de l'autre fois, mais ça n'a pas marché comme prévu. Tu sais, il y a des mannequins d'entraînement au nid du faucon, t'étais pas obligé de venir jusqu'ici. Bien sûr, si j'avais utilisé mes techniques habituelles, je n'aurais fait qu'une bouchée de tes vermines. Toutefois, ce n'est pas comme ça que j'apprendrai quoi que ce soit. Les chevaliers dragons ont payé un lourd tribut de cette guerre sans fin, mais la population d'Isgard compte sur nous pour les protéger des dravaniens. J'ai parfaitement conscience du poids que je porte sur mes épaules et je suis prête à tout pour accomplir mon devoir. Émilie, pourrais-tu m'en montrer tes techniques ? Je voudrais étudier tes mouvements de plus près. Pas de soucis, je vais te montrer. T'as raison. Rien ne vaut la pratique pour s'améliorer. Suis-moi, je connais un endroit qui devrait convenir. Il n'y a plus qu'à attendre qu'un dragon nous repère. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps vu que cette région en est infestée. C'est tout ? Les techniques que tu utilises ne sont pas différentes des miennes ? Et pourtant, tu arrives à surmonter l'ennemi avec une facilité déconcertante. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui peut nous séparer à ce point ? L'arme et la tenue, j'ai une bien meilleure arme et une bien meilleure tenue que toi, Astienne. Qu'est-ce que tu fais que je ne fais pas ? Tu ne vois aucune différence entre nos deux styles ? Ça alors ?
Repenser à tes combats précédents t'a permis d'élaborer une nouvelle technique. Tu veux bien m'en dire plus, s'il te plaît? J'aimerais beaucoup l'apprendre, moi aussi. La réflexion sur vos combats passés vous a permis d'apprendre une nouvelle technique, l'itonie combattante. Alors quand je vous disais, les amis, il y a quelques temps qu'il fallait faire vraiment attention quand vous faites les quêtes des jobs de Heavensward, de bien vous rappeler où est-ce que vous avez planté la dernière quête. Parce que si vous avez fait votre quête 52 de DRG et que vous cherchez où est votre quête 54... Elle est en plein milieu de nulle part. Et encore, moi j'ai une chance, c'est que j'ai fait toutes les quêtes secondaires de la zone. Il n'y a absolument rien qui clignote à part Ostienne. Si c'est pas votre cas... Destin croisé. Ostienne est très intriguée par la technique que vous venez de mettre au point. Cette technique permettrait donc d'élever le moral de ses compagnons d'armes, c'est ça? Je dois bien avouer qu'une telle idée ne m'aurait jamais traversé l'esprit. On m'a constamment répété qu'un chevalier dragon se devait d'attaquer sans relâche. Sauter toujours plus haut, frapper toujours plus fort, ces principes fondamentaux guidaient mes actions. Dans ma poursuite obsédée de ce que je croyais être la perfection, il semblerait que j'ai fini par me battre uniquement avec ma lance, à tel point que j'ai perdu de vue les autres possibilités. Tu m'as ouvert les yeux, Emily. Si je veux transcender mes limites, il est clair que je dois oublier mes idées préconçues. Bon, je dois rentrer au palais, n'hésite pas à passer si tu as un peu de temps. Tu seras peut-être intéressé de voir comment vivent les chevaliers dragons d'Ishgard. Bienvenue au quartier général de l'ordre des chevaliers dragons. Je t'aurais bien proposé une petite visite des lieux, mais je dois m'entretenir d'un sujet important avec mon père. Ah, mais j'y pense, vous ne vous connaissez pas encore? Père, permettez-moi de vous présenter Emily. C'est elle qui m'aide à peaufiner mes techniques de chevalier dragon. Alors, c'est vous le fameux dragon céleste? J'espère que ma petite Ostienne ne vous a pas fait trop voir de toutes les couleurs. C'est qu'elle est une sacrée caractère. Allons, père. Si je suis aussi virulente, c'est avant tout parce que je rêve de devenir un chevalier dragon aussi fort et respecté que vous l'étiez. Oh, ton désir de suivre mon exemple me touche. Mais tu ne dois pas confondre vitesse et précipitation. Si tu te blesses en t'entraînant... Tu ne pourras pas combattre efficacement aux côtés de tes compagnons le moment venu. Crois-moi, je parle en connaissance de cause. Bon, je vous laisse entre jeunes. Merci, monsieur Montorguin. Montorguin, c'est mon père adoptif. Il m'a recueilli alors que j'étais encore enfant. J'ai appris à me servir des âmes d'Ast dès mon plus jeune âge pour le suivre, et il s'avère que j'étais plutôt douée pour ça. J'imagine que c'est ce qui lui a plu. Si elle n'avait pas été là, je serais sans doute déjà morte aujourd'hui. Alon m'a épargné ce destin funeste, car elle a de grands projets pour moi. Elle veut que je mette mes talents à profit pour le bien de tout le pays, et c'est ce que je compte bien faire en tuant le plus de dragons possible. Mais pour tenir ma promesse, je dois m'entraîner davantage. Je compte sur toi pour m'aider à atteindre cet objectif, Emily. Bien, je dois te laisser. Merci encore d'être pas... Oh mince, j'ai failli oublier. Sœur Alberi qui m'a dit qu'il voulait te voir. Ça n'avait pas l'air très urgent, tu peux donc prendre quelques minutes pour visiter le bâtiment avant d'aller à l'observatoire. Allez, à très bientôt. Ah, je vois que Stienne vous a fait passer mon message. Je m'entretenais avec elle par Lingperle, mais son père est arrivé et nous avons dû mettre un terme à notre conversation. Ce n'est pas vraiment important, mais je me demandais comment se passait son entraînement. Eh bien, plutôt bien, j'ai appris une nouvelle technique. Ah, est-ce qu'elle a appris une nouvelle technique aussi? Je lui ai enseigné la même. Vous avez fait la connaissance de Montorguin? Oh, cet homme est une légende dans le milieu, vous savez. Il a malheureusement été blessé au cours d'un combat et a dû quitter l'ordre des chevaliers dragons au fait de sa carrière. Je sais qu'il place beaucoup d'espoir dans sa fille et elle aussi est prête à tout pour le rendre fier. Pour tout vous dire, Ostienne et Estinien ont fait leur début en même temps. Tous deux sont orphelins et ils ont toujours plus ou moins été rivaux. Malheureusement, l'œil a choisi Estinien et depuis ce jour, Ostienne s'entraîne comme une forcenée. J'ai parfois l'impression qu'elle s'impose cette souffrance pour se punir d'avoir déçu les attentes de son père. Viser l'excellence n'est pas un mal en soi, loin de là. Mais un chevalier dragon ne doit jamais perdre de vue ses convictions, car c'est la seule chose qui le protège des ruses des dragons. Je compte sur vous pour veiller sur elle et lui montrer comment un combattant digne de ce nom doit se comporter.
Continuez à vous entraîner. Revenez me voir lorsque vous aurez enfin progressé. Peregrine et Grauli. Alvéric a une mine sérieuse. Quelque chose ne tourne pas rond. Et c'est quoi ? Sang de dragon, la puissance de saut à 320 et de piquet chien à 250. Ouh, maman ! Paralon, vous arrivez pile au bon moment. Les astrologues de l'observatoire ont réussi à déterminer l'heure et l'emplacement de la prochaine attaque de la horde des dragons. Estienne va être certainement partir en intervention, mais comme la plupart des chevaliers dragons de l'ordre sont en mission sur un autre site, j'ai peur qu'elle manque de lance pour venir à bout de ses ennemis. Je vous en prie, Émilie, vous devez l'accompagner. Allez immédiatement au palais de l'ordre du temple et proposez-lui votre aide. Vous déménagez pas au palais de l'ordre du temple, Alberic, franchement, ça me ferait moins de chemin. Oh, mais c'est qu'il y a du monde ici. Bonjour, chevalier. Très bien, continuez. Continuez ce que vous êtes en train de faire, chevalier dragon. Et toi, je t'ai vu là, renifler du nez. Tu crois que c'est comme ça qu'on se comporte quand on est un chevalier dragon ? C'est Alberi qui t'envoie ? Comment a-t-il su ? Oh, peu importe. Je ne vais pas cracher sur une lance supplémentaire et encore moins sur celle du dragon céleste. Oh, j'ai bien fait de passer voir Estienne avant qu'elle ne parte en intervention. Je suis beaucoup plus rassurée maintenant que je sais que vous l'accompagnerez. Tuez-moi toute cette vermine et revenez-nous vite. Je ne t'arrive pas à la cheville en ce qui concerne les techniques de combat, mais je vais donner tout ce que j'ai pour faire honneur à mon pays. Je t'avoue que je suis excitée à l'idée de me battre à tes côtés. Je suis sûre que ça me motivera à me dépasser. Oh, s'il te plaît, ne commets pas d'imprudence. N'oublie pas que le plus important pour un soldat, c'est de rester en vie. Et quand on a des hommes sous ses ordres, on leur doit de survivre pour les guider au combat. Si jamais tu tombes sous les coups des ennemis, tu les condamnes tous à une mort certaine en Ishgard ne peut se permettre de perdre des chevaliers dragons. Garde bien ça à l'esprit, ma fille. Vous en faites pas, père. Je reviendrai victorieuse, je le jure sur ma lance. Alors avant que tu ne t'en ailles, j'aimerais te donner quelque chose. Alfred, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Comme tu le sais, Peregrine est transmise depuis des générations dans notre famille. Aujourd'hui, je te la donne. Tu en es désormais la légataire. Mais cette lance a été offerte à votre ancêtre par l'archevêque lui-même. Je sais pas si je suis digne de tel trésor. Merci, père. Je ne trahirai pas votre confiance. Il est temps de partir, Estienne. Salut, Émilie. Tu te souviens de moi ? Je t'ai fait passer des épreuves à la panse de l'ogre avec Estienne. C'est vrai que ça date pas d'hier, tout ça, hein ? Bah, en tout cas, je suis honorée de pouvoir combattre à tes côtés. Tu peux compter sur moi pour surveiller tes arrières. Camarade, le devoir nous appelle. Les astrologues pensent que l'ennemi devrait se manifester près de la pique. Mettons-nous en route immédiatement. Émilie, je vous demande de bien vouloir veiller sur ma fille. Si elle est prête à se sacrifier pour accomplir son devoir, elle pense que je serai fière si elle meurt pour sa patrie, mais elle se trompe. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est qu'elle reste en vie. Je m'évertue à le lui expliquer, mais elle refuse de comprendre. Elle estime qu'elle m'est redevable, mais je ne l'ai pas recueillie par pitié, je l'aime de tout mon cœur. Enfin, je ne perds pas espoir. Sur ces paroles, je vous souhaite bonne chance, et que Alon vous accompagne dans votre mission. Merci, monsieur Montaigne. Monteguin. Ah, j'arrive encore en retard apparemment. Ça va brusquement ? La situation est critique. Nous avons réussi à repousser la première vague d'assaut ennemi, mais le pire est à venir. Estienne et toi êtes notre seule chance. Vous êtes déjà tous par terre.
Émilie, les Dravaniens sont plus nombreux que prévu et plusieurs chevaliers ont déjà succombé à leurs attaques. La deuxième vague ne devrait pas tarder à nous frapper. Prête-moi ta lance et aide-moi à les éliminer. Eh oui, fais donc, fais donc. Pour Ishgard! Ouais, ouais, pour moi. Suivant! Baisse pas ta garde! Ce n'était qu'une mise en bouche! Alon, prends-moi ta force! Estienne l'empaleuse. Éliminez les messagers Dravania en priorité! Si tu pouvais paquer tout le monde, ça irait beaucoup plus vite, Estienne. Attention, je sens qu'un puissant ennemi approche. Ah bah là voilà, la Wyvern. Maudit dragon, je vais t'empaler sur ma lance. Graouli ne s'est pas montré. Je ne comprends pas. Les astrologues ne se trompent jamais d'habitude. Je ne peux pas croire que ces soldats soient morts pour rien! Ah, te voilà! Cette fois, tu m'échapperas pas! Estienne! Tu veux pas arrêter tes bêtises et redescendre de là-haut? Estienne, mais c'est de la folie! Estienne a payé sa hardiesse de sa vie. Elle ne pourra jamais venir à bout de Graouli seul. Quel gâchis. Tiens, j'ai trouvé ça sur le chemin. C'est un morceau de ton armure qui a dû se détacher pendant le combat. J'aimerais que tu le remettes à Montorguin. Le connaissant, il doit être en train d'attendre sa fille au quartier général. Monsieur Montorguin ? Je n'ai pas tous les détails, mais on m'a rapporté que Estienne avait disparu. Je vous en prie, dites-moi qu'elle va bien. Voici un morceau de son armure ? Un morceau d'armure. Que voulez-vous? Oh non. Oh, c'est pas possible. Elle peut pas être morte. Je refuse d'y croire. Vous étiez sur place au moment des faits, n'est-ce pas? Dites-moi ce qui s'est passé. Je veux tout savoir dans le moindre détail. Eh ben, elle a décidé de prendre un dragon pour un taxi.
Elle a sauté sur Graouli et lui a planté sa lance dans le dos. Ça veut dire qu'elle n'est pas forcément tombée. Si ça se trouve, elle est restée agrippée assez longtemps pour regagner la terre ferme. Auquel cas, nous devons la retrouver avant qu'elle ne se fasse attaquer par ces écailleux. Vous avez raison, Émilie. Retrouve-moi à l'observatoire. Nous allons discuter de la marche à suivre. Pourquoi on ne discute pas ici? C'est bien ici. J'ai un peu réfléchi en chemin. Si Astienne a effectivement réussi à résister aux ruades de Graouli, il y a bel et bien une chance qu'elle soit toujours en vie. Nous savons qu'ils sont partis vers l'ouest, mais nous ignorons où. Le pire scénario possible serait qu'il les conduit quelque part en territoire dravanien. Même si je prie pour que ce ne soit pas le cas, nous devons nous préparer à cette éventualité. Astienne est l'un des meilleurs chevaliers dragons d'Ishgard, et ni le Saint-Siège ni sa famille ne peuvent se permettre de la perdre. Voici ce que je vous propose. Je vais traquer les mouvements de Graouli et tenter de déterminer l'emplacement de sa tanière. Vous, pendant ce temps-là, continuez de perfectionner vos techniques au combat. Vous et vous seul pouvez sauver notre camarade. Votre cœur et votre cristal de chevalier dragon ont appris une nouvelle technique, sang du dragon. Dans les griffes de l'ennemi. Est-ce qu'Albéric a réussi à trouver la trace d'Estienne? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et c'est quoi ça? C'est Crogriffe, effectuer une attaque physique sur la cible. Il y a un code de côté 300. Crog et griffe préparées, obtenues grâce à... attends, c'est quoi? C'est... Ah, c'est ça! Ah, cool! On va pouvoir avoir nos premières techniques de sang de dragon. Cool! Bonsoir, Émilie. Je constate que votre entraînement a été fructueux. J'aimerais en dire autant de mon enquête, mais c'est hélas pas le cas. Les hérétiques multiplient les attaques en ce moment et les Templiers sont tellement occupés à les chasser qu'ils n'ont plus le temps de rechercher Estienne. Mais tout n'est pas noir pour autant, car on m'a rapporté une information qui pourrait nous être utile. Figurez-vous qu'un chevalier a aperçu une hérétique en possession d'une lance qui ressemblerait à deux gouttes d'eau à Périgrine. Comme vous le savez, la lance d'Estienne est transmise depuis des générations dans sa famille. La probabilité qu'une hérétique utilise un modèle similaire est donc extrêmement faible, pour ne pas dire nulle. Je peux m'avancer, mais je pense que cette piste mérite d'être creusée. J'ai pris l'initiative de contacter les Templiers pour qu'ils surveillent les agissements de ce groupe d'hérétiques. Aux dernières nouvelles, ils seraient près du camp des deux rivières. Rejoignez-les et voyez avec eux comment vous pouvez vous organiser. Éclaireur ? Qu'est-ce que vous regardez ? Je ne vous savais pas aussi proche, monsieur éclaireur des Templiers. Sœur Albéric m'a prévenu de votre arrivée. Les hérétiques sont partis en direction de l'arrière pays dravanien. Il y a quelques minutes, l'homme en possession des Peregrines était avec eux. Plusieurs de mes compagnons se sont lancés à la poursuite. Je vous en prie, aidez-les à appréhender cet individu. C'est le seul qui puisse nous dire où est Dame Estienne. Estienne, monsieur, Estienne. Estienne ? Excusez-moi, mesdames et messieurs, excusez-moi, oui. Estienne, qu'est-ce que tu fais ici ? Merci, Émilie, je te dois la vie, une fois de plus. Comme tu l'as sans doute vu, Graouli s'est débattu quand je lui ai sauté dessus. Par chance, j'avais planté ma lance suffisamment profondément et j'ai pu éviter une chute qui m'aurait été fatale. Il voulait trop haut pour que je puisse redescendre, j'ai donc dû me résoudre à attendre qu'il approche le sol pour sauter. Malheureusement, j'ai atterri au beau milieu d'un camp d'hérétiques et je n'ai pas eu le choix que de me rendre. C'est donc comme ça que tu m'as retrouvé, décidément, Peregrine m'a sauvé la vie à plus d'un titre. L'homme qui se l'est attribué n'est autre que le chef de la bande. D'après ce que j'ai compris, il serait parti à la rencontre du chef de notre groupe d'hérétiques. Apparemment, il comploterait une attaque à grande échelle contre la Sainte Cité. Les Templiers doivent prendre les mesures pour se préparer à une telle éventualité. Tu dois prévenir l'état-major et faire ton possible pour éviter qu'une telle situation ne se produise. Non, je ne peux pas t'accompagner. J'ai une mission plus urgente à accomplir. Si quelqu'un te demande comment tu as obtenu cette information, tu n'as qu'à dire que tu l'as arraché en hérétique.
Je veux aussi que tu leur dises que je suis tombée au combat. Je sais que je t'en demande beaucoup, et ça me fait mal d'infliger ça à mon père, mais j'ai pas le choix. Tu dois me faire confiance. Oh, c'est rien, t'inquiète pas. Ça me prend de temps en temps, sans doute une côte cassée ou... quelque chose comme ça. Je dois y aller. Dis à Andaloupe que tu as trouvé mon corps sans vie et que tu l'as enterré. S'il demande pourquoi, dis-lui simplement qu'il était trop mutilé pour permettre à ma famille de le voir et comprendra. Je compte sur toi, Emily. Salut, Andaloupe. Estienne morte C'est une perte terrible pour l'ordre des Chevaliers Dragons et pour tous les Ishgardais. Mince. Oh, Estienne. Ah, je vais contacter les chevaliers de l'état-major et organiser une réunion d'urgence. Ces maudits hérétiques ne peuvent pas gagner. Puis-je vous demander de prévenir son père, s'il vous plaît? Il est à l'observatoire avec Albéric. Je suis désolée de vous imposer cette tâche difficile, mais je pense que vous êtes la mieux placée pour lui transmettre les nouvelles de la mort de sa fille. Bonjour, vous allez bien? J'espère que t'as retrouvé Estienne vivante. J'ai retrouvé Estienne, elle est morte, je l'ai enterrée. Oh, tiens, Emily, nous parlions justement de vous. J'ose espérer que vous nous apportez de bonnes nouvelles. Eh ben, grâce à la glace qu'il y a dans le Cuertas... Oh non, vous devez faire erreur, mon Estienne ne peut pas être morte. Ce n'est pas possible, pas elle. Je suis terriblement désolée, mon ami. La vie est vraiment injuste parfois. Pourquoi elle et pourquoi pas moi? Elle était encore si jeune, racontez-moi tout. Je veux savoir comment elle est morte. Dire la vérité. Elle a simulé sa mort. J'ignore ce qui l'a poussée à agir ainsi, mais je suis heureux de la savoir en vie. Merci d'avoir été honnête avec moi, Emily. Je reprends espoir grâce à vous. Je vous avouerai que son comportement me déconcerte. Que cherche-t-elle à accomplir au juste? Qu'est-ce qui peut la préoccuper au point de laisser ses fonctions à la tête de l'ordre des Chevaliers Dragons? J'en ai pas la moindre idée, mais je lui fais confiance. Estienne est prête à prêter serment et je sais qu'elle respectera ses engagements Vaille que vaille. Sur ce, chers amis, je vous laisse. Montorgain ne dit rien, mais je sais qu'au fond de lui, il est terrifié. Si nous ne retrouvons pas sa fille rapidement, j'ai peur qu'il passe le restant de ses jours à la chercher, ou qu'il se laisse mourir de chagrin. Estienne projette certainement d'abattre Graouli et de récupérer sa lance. De notre côté, je me dis qu'elle aurait très bien pu y arriver sans pour autant renoncer à ses responsabilités à l'ordre du Temple. Il y a forcément autre chose. Inutile de perdre de temps en vaines palabres. Je vais concentrer mes efforts sur la traque des chefs hérétiques. Les épreuves de ces derniers jours vous ont rendu plus forte, mais j'ai le sentiment que le pire est encore à venir. Attendez-vous à des temps difficiles. Votre cœur et votre cristal de chevalier dans le dragon entrent en résonance. La mère vérité, Albéric a une bonne nouvelle à vous annoncer. Emily, j'ai réussi à obtenir des informations sur l'individu qui a volé la lance d'Astienne. Il s'agit d'un homme nommé Mathéonien. La bande qu'il dirige se fait appeler les Dragonifiés. Un nom qu'ils n'ont pas choisi par hasard car ces hérétiques seraient capables de se changer en dragon. Je suppose que vous avez été témoin déjà d'un tel phénomène par le passé, n'est-ce pas? Pour qu'une telle transformation s'opère, il est nécessaire d'ingurgiter du sang de dragon. Bien sûr, il s'agit d'un produit extrêmement rare dont la simple possession est passible de peine de mort. Mes sources pensent que ces hérétiques auraient conclu un pacte avec Graouli pour qu'il leur en procure autant qu'ils le souhaitent. Ce serait d'ailleurs la raison pour laquelle les Templiers ont tant de mal à les vaincre. Les dragonifiés ont été aperçus dans la forêt des Chocobos. Si Estienne veut récupérer sa lance, elle va devoir s'y rendre elle aussi. Je vous propose d'aller à la peine et de commencer par rassembler des informations. Partez devant, je vous rejoins tout de suite. Albéric, mais dis donc, tu as sorti le beau t-shirt. J'ai pris la liberté d'interroger quelques habitants avant que vous n'arriviez. Il semblerait que les marchands de vertus douteuses achètent de grandes quantités d'équipements et de provisions depuis quelque temps. Il s'agit certainement de la bande de Mathéoniens. Nous devons les démasquer avant qu'ils ne mettent leur plan à exécution. Je vais regarder de ce côté. Vous, allez par là. Ah. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, honorable chevalier dragon.
En quoi puis-je vous être utile? J'ai à ma disposition de très belles lances si ça vous intéresse. Oh, je vois, vous cherchez les ennuis. Eh bien, vous les avez trouvés. Merci, vous me les faites à quel prix? Votre vie? Oh, parfait. C'est un très bon prix, ça. J'achète. Vous découvrez un parchemin ensanglanté laissé par l'homme hérétique. Qu'est-ce que c'est que ce parchemin? Ce petit morceau de vélin est couvert de symboles obscurs. Il va falloir un traducteur. J'ai interrogé plusieurs marchands, mais il n'y avait aucun hérétique parmi eux. Qu'en est-il de votre côté, mon ami? Eh bien, j'ai trouvé un marchand qui m'a fait un très bon prix. Et voilà ce que j'ai acheté. Et donc, vous dites que ce parchemin est tombé de la poche de l'homme qui vous a attaqué? Le message est crypté avec un code que les hérétiques utilisent souvent. Heureusement, j'ai appris à le déchiffrer avec le temps. La lettre parle d'un point de rendez-vous au sud d'ici. Je suppose que c'est l'endroit où ils sont censés se rassembler. Allons-y, Emily. Ils étaient déjà tous morts quand je suis arrivée. Emily, je t'avais pourtant demandé de rien dire à personne. Rassurez-vous, Estienne, il n'y a que votre père et moi qui connaissions la vérité. Vous semblez souffrante. Peut-être devriez-vous voir un médecin. C'est rien, ça va passer. Maintenant que les Mathéoniens sont morts, les dragonifiés n'ont plus de raison d'être. Ils ne pourront plus faire de mal à mes hommes. Vous semblez beaucoup vous préoccuper du sort de vos compagnons d'armes. Puisque vous avez récupéré votre lance, pourquoi ne retourneriez-vous pas à Ishgard? Tout le monde serait heureux de vous revoir, à commencer par votre père. Vous occuperez de Graoli une fois que vous aurez tout récupéré. Non, je ne peux pas faire marche arrière. Je préfère qu'il me croie morte. Pourquoi? Vous avez pourtant juré de protéger Ishgard. Avez-vous oublié le serment que vous avez prêté lorsque vous les avez rejoints l'ordre du Temple des Dragons? Je préférais oublier, mais j'en suis incapable. Bien sûr, j'aurais voulu retourner auprès des miens, hélas. Je pourrais plus jamais fouler le sol de la Sainte Cité. Ces monstres sans honneur m'ont forcé à boire du sang de dragon. Comment? Mais alors? Oui, je me suis changée en dragon. Bien sûr, je n'en ai bu qu'une fois. Les effets n'ont donc pas duré. Toutefois, au regard de la loi, je suis coupable d'hérésie. Si je rentre à Ishgard, je serai arrêtée, jugée, emprisonnée. Les inquisiteurs vont interroger mon père et peut-être même l'accuser de comploter avec l'ennemi. Je préfère mourir que de jeter la discrédit sur ma famille. Vous n'allez quand même pas vous suicider? Non, mon père m'a sauvé la vie et je n'ai pas l'intention de gâcher en y mettant fin par moi-même. J'ai décidé de faire comme Emily. Je vais continuer à remplir mon devoir de chevalier dragon, mais seule cette fois. J'ai déjà trouvé ma prochaine mission. Je vais tuer Graoli, le vider définitivement de son sang. Ces maudits hérétiques ne pourront plus se transformer en dragon et périront empalés par les chevaliers d'Ishgard. Emily, je tiens à te remercier pour tes précieux conseils. Tu m'as montré le chemin à suivre. Sans toi, j'aurais jamais su surmonter toutes ces épreuves et prendre la décision qui s'imposait. Je te confie l'ordre des chevaliers dragons. Veille bien sur mes camarades. Je suis une aventurière. Je reste jamais en place très longtemps. Je suppose qu'il est inutile d'essayer de la convaincre de faire demi-tour. Retournons à l'observatoire et faisons le point ensemble. J'ai beaucoup réfléchi en chemin. Estienne pense que Alon l'a épargnée afin qu'elle puisse servir son pays en tuant les dragons. Cependant, le destin a voulu qu'elle se transforme en ceux qu'elle déteste le plus au monde. J'ose à peine imaginer la peine qui l'accable aujourd'hui. C'est comme si tous ses efforts avaient été réduits à néant en un instant. On raconte que ceux qui boivent du sang de dragon acquièrent un pouvoir proche de celui de ces créatures. J'avais des doutes jusqu'ici, mais il semblerait que ce soit vrai. Estienne a beau être très forte, jamais elle n'aurait pu vaincre ces hérétiques seules. Cette situation est tragique, mais c'est une opportunité unique pour elle d'accomplir son devoir, et au-delà, la puissance qu'elle a acquise va peut-être lui permettre d'en finir définitivement avec Graoli. Il faut toutefois qu'elle fasse attention, l'œil et le sang des dragons sont deux choses différentes, mais leur pouvoir de subjugation est le même.
J'irai même le sang est pire, car il altère la chair. Et une fois que la chair est corrompue, ce n'est qu'une question de temps avant que l'esprit ne le soit aussi. Il faudra qu'elle fasse montre d'une volonté inflexible pour conquérir le dragon qui s'est éveillé en elle. Mais en aura-t-elle la force? Si seulement elle était moins bornée, nous pourrions le cadrer et la guider sur la bonne voie. Il faut se rendre à l'évidence. Nous ne pourrons pas la raisonner tant que Graouli sera de ce monde. La seule chose que nous puissions faire pour elle, c'est l'aider à vaincre son ennemi juré. Reprenez votre entraînement en toute hâte et surtout, n'oubliez jamais ce pourquoi vous vous battez. On a le deuxième sort de notre combo pour le sang de dragon. Yay! Le sang du dragon Albéric tape du pied nerveusement comme s'il attendait autre chose. Et on a notre AOE, notre Girls Cocoon. Et il nous file un coffre de sang du saut, trop bien. J'espère qu'il est joli. Bah, je crois que c'est la tenue qu'importe d'ailleurs. Ah, Emily, vous tombez bien. J'allais justement vous contacter par votre ligne perle. Les astrologues sont parvenus à déterminer l'endroit où Graoulis fera la prochaine apparition. D'après leur estimation, ce sera dans les hautes terres du Quartas occidental, à l'île de Rêve Dragon, pour être plus précis. Eustienne est une excellente chasseuse et elle est forcément sur la piste. Je sais qu'elle n'hésitera pas à l'attaquer à la première occasion. Comme vous en doutez, le rapport des astrologues a été transmis à l'ordre du temple. Si jamais les chevaliers dragons partent à l'intervention et tombent nez à nez avec leur ancienne meneuse, ils seront contraints de l'arrêter. Montorguin et moi allons donc faire tout notre possible pour les convaincre de rester à Ishgard. Je pense que ce ne sera pas bien compliqué, mais nous leur dirons simplement que le dragon céleste s'occupe de tout. Malheureusement, cela veut dire que vous devez livrer ce combat seul avec Estienne. Vous ne recevrez aucun renfort ou soutien d'Ishgard. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Faites réviser votre équipement et mettez-vous en route aussi vite que possible. Je vous attendrai près du convictoire. Albéric était plutôt réticent à l'idée que je l'accompagne, mais il a bien compris que je serais plus utile ici qu'à Ishgard. Ça fait un bout de temps que j'ai pris ma retraite, mais je peux encore aligner quelques petits coups. J'ai interrogé quelques personnes en arrivant. Une femme chevalier dragon correspondant à la description d'Estienne a été aperçue non loin d'ici en train d'affronter des hérétiques. Des dragonifiés, si vous voulez mon avis. D'après les témoins, elle serait partie en direction du nord. Sœur Albéric m'a tout raconté, peu importe ce qu'elle est devenue, je suis déterminée à ramener ma fille à la maison. Je vous en supplie, aidez-la à surmonter cette épreuve. Graouli a tué des dizaines et des dizaines de chevaliers. Estienne n'a aucune chance si elle se présente seule devant lui. Vous devez la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Albéric et moi allons inspecter les environs et éliminer les hérétiques en embuscade. Nous vous rejoindrons dès que nous en aurons fini. Bien, amusez-vous bien. J'ai une vie à sauver, moi. Estienne ? Graouli ? Estienne ! Ah ! Des dragonifiés ? Toi, cadavre hérétique, parle ! Je suis un cadavre, je ne peux donc pas parler. Ah mince, une terrible bataille vient d'avoir lieu. Les traces de pas prennent la direction du nord. Eh bien, partons vers le nord. Estienne Graouli. Encore ? Le sang qui coule du corps de l'hérétique est encore chaud. Les traces de pas prennent la direction de l'ouest. Ah là là, mais quelle chasse au trésor ! Estienne Graouli. On est là, qu'est-ce que tu as, mortel ? Ah oui, je suis là, Emily, arrête de nous chercher partout ! Ah, parfait ! Vous étiez en train de prendre le thé ? Je veux bien un petit rooibos, s'il vous plaît. Commencez la bataille, le sang du dragon. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le sentiment que tu viendrais. Regarde, c'est lui qui donne du sang aux hérétiques. C'est à cause de lui que tant d'Ishgardais sont morts.
Je suis plus qu'honorée de pouvoir affronter mon ennemi juré aux côtés du dragon céleste. À nous deux, nous n'allons faire qu'une bouche. Ah, je dois tenir. Cette douleur n'est rien face aux souffrances des victimes de cette immondice. Je n'ai pas pu accomplir mon devoir lorsque j'étais à la tête de l'ordre, mais le temps est venu pour moi de remplir ma mission. Prépare-toi à mourir, Graouli. Je vais te vider de ton sang maudit. Il est où le thé ? Graouli, ta dernière heure est arrivée. Ah, il s'est envolé, garde les yeux ouverts. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Tu es à moi ! À moi ! Le corps commence à geler. L'effet devient congélation s'il arrive à 4. Ah. Aïe. Ah oui, il en fait popper beaucoup plus là tout d'un coup. Toi, toi, la 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 la. Il fait vite, courage, Émilie, on y est presque. Je me sens un petit peu congelée, Ostienne. Finis sans moi, s'il te plaît. Ostienne, les cailleuses. J'ai réussi. J'ai enfin accompli mon devoir. J'ai dû puiser au plus profond de mon être pour résister à la tentation, mais j'ai réussi. J'ai encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à ton niveau, mais moi aussi, je vais apprendre à maîtriser la force des dragons. Faut d'abord que je retrouve le moyen d'apprivoiser cette douleur. Quand j'y serai arrivée, je m'acharnerai à tuer tous les dravaniens. Ostienne ! Père, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Cet endroit est bien trop dangereux. Oh, je craignais que tu ne t'évanouisses dans la nature une nouvelle fois. Aussi, je suis venue en personne pour te ramener chez nous. Père, je ne peux pas rentrer. J'ai bu du sang de dragon et je me suis transformée. Si jamais les autorités apprennent que vous cachez une hérétique chez vous, vous serez accusée à votre tour. Vous inquiétez pas, Astian. Il n'y a que nous quatre qui connaissons la vérité. Malgré le temps qui passe, mon corps continue de réclamer ce sang impie. Je lutte ardemment pour combattre cette envie, mais c'est tellement dur. Les gens vont forcément se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Quelle ironie. Je voulais devenir plus forte pour te ressembler. Et j'ai fini par atteindre mon objectif grâce à du sang de dragon. Nous perdons nos meilleurs éléments les uns après les autres à cause de ces maudites créatures. Courage, ma fille.
Je sais que tu es capable de surmonter cette épreuve. Et puis, tu ne seras pas seul. Ta mère et moi serons toujours là pour t'aider. Je vous promets de rentrer, père. Mais pas tout de suite. Je dois d'abord apprendre à résister à la tentation de boire du sang. Je vais poursuivre mon entraînement de mon côté et utiliser cette force pour abattre le plus de dragons possible. Je ferai honneur à la lance que vous m'avez léguée. Vous venez de parvenir à une étape de la trame de la quête des chevaliers dragons. Vous pouvez poursuivre cette histoire si vous remplissez les conditions suivantes. Chevalier dragon consacré. Et du coup, c'est quoi le titre ? Dragon céleste. Très bien. Oh, je suis magnifique comme ça. Magnifique avec cette tenue, les amis. Il y a le slash visor, hein, si jamais. Mais le manteau est stylé, franchement. Le manteau est vraiment stylé avec ses reflets violines, là. Super joli, hein. Vous avez atteint un niveau d'excellence dans l'art de l'ast. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous reposer sur votre acquis. Vous devez continuer à peaufiner vos techniques pour vous améliorer et ainsi faire régner la justice là où elle fait défaut. C'est quoi les dernières nouvelles ? Depuis que la vérité sur la fondation d'Ishgard a éclaté au grand jour, les convictions ont été ébranlées jusque dans leurs fondements. L'identité, le rôle et le but même de chacun dans l'existence ont été remis en question. Malgré ce contexte difficile, nous devons rester sur le qui-vive, car les Dravaniens ne nous accorderont aucun répit. La mort de Dindog n'a point anéanti la virulence de ses plus proches généraux, au contraire même. Les Ishgardais peuvent toutefois compter sur leurs chevaliers dragons pour les protéger, bien sûr. L'absence d'Astien et d'Astienne pèse lourd au sein de l'ordre, mais les jeunes recrues sont bien décidées à écrire une nouvelle page de l'histoire du pays. Avec une formation appropriée, ils pourront accompagner leurs aînés sur le champ de bataille très rapidement, j'en suis convaincue. Et nous voici les amis à la fin de cet épisode sur les quêtes du Dragoon du niveau 50 à 60. J'espère que l'histoire vous aura plu et que ça vous aura plu de la vivre avec moi. Je vous fais des gros bisous et on se revoit très vite dans la suite de nos aventures. D'ici là, portez-vous bien et des bisous!